C'est curieux, un mythe. Malgré le temps, malgré les soubresauts de l'histoire et de l'humanité, le mythe demeure, s'il demeure. Malgré les traductions, malgré l'oubli, malgré la disparition du peuple qui l'a inventé, ou peut-être simplement transmis. On n'a jamais accusé un mythe d'hubris. Et pourtant, je suis souveraine ici. Je décide de tout. Je crée, je donne la vie. Un dessin, un nom. Ils ont commencé à se mouvoir. Et maintenant, je les regarde, je leur parle parfois. Ce sont mes personnages, aux contours encore flous et imprécis. Et je sais qu'il ne tient qu'à moi de leur tracer une destinée. C'est beau, un mythe. Les voilà. Ils attendent. Ils attendent que je leur assigne une place qui sera la leur, que je les définisse. Je dois leur donner l'illusion de la liberté. Il faut que je m'efforce de mettre en place 1000 artifices qui leur feront croire qu'ils décident de ce qu'ils sont et de ce qu'ils font. J'aimerais les voir vivre une vie qui serait la leur, mais je sais déjà ce qui va leur arriver. C'est moi qui ai tout tracé sans leur laisser le moindre lambeau de liberté. C'est un regard qui s'étonne et qui cherche une explication. C'est une histoire que l'enfant n'oubliera pas. Je ne vais pas tarder à satisfaire leur envie de prendre corps, à remplir mon devoir. Mais je sais que plus mes personnages croiront être libres, plus leurs contours seront nets et précis, plus leur volonté sera restreinte et étriquée, et plus ils seront, malgré moi, prisonniers. Au lieu de leur apprendre à voler, j'ai bien peur de les avoir attachés. On raconte qu'autrefois, un dénommé Dédale jouissait d'une réputation sans pareille à Athènes. Instruit par Athéna elle-même, il était sans conteste le plus grand génie de son temps. Forgeron, inventeur, architecte brillant et surtout sculpteur de grand talent. Talent si grand d'ailleurs qu'il le haussait parfois bien au-delà de son statut d'être humain. Son art le plaçait en démiurge et lui donnait un pouvoir qui lui causa bien des soucis. On raconte par exemple que ses statues étaient si bien taillées dans la pierre, façonné avec une telle adresse et une si belle précision, que lorsqu'il les avait terminées, il était contraint de coller leurs pieds dans la pierre pour qu'elles ne soient pas tentées de s'enfuir à toutes jambes, ivre de la vie que Dédale avait presque malgré lui réussi à leur donner. Un jour, Dédale reçut son neveu comme apprenti. Perdix, qui débordait d'envie et d'admiration pour son oncle, se révéla très habile, lui aussi à la sculpture. Dédale en fut d'abord ravi, et suivit avec intérêt les progrès du petit. Jusqu'au jour où le garçon, qui n'avait pas 12 ans, se présenta à lui tenant fièrement entre ses petites mains une scie qu'il avait créée. L'invention, Dédale s'en aperçut bien vite, était d'une nouveauté, d'une beauté qui témoignait d'un esprit véritablement génial. Dédale leva les yeux de l'objet et les posa sur son neveu. Il sentait peu à peu une jalousie grandissante s'emparer de lui. Autour de lui, ses œuvres, prisonnières d'un socle qui leur interdisait le mouvement, semblait esquisser un sourire moqueur. Il croyait les entendre murmurer que le petit aurait tôt fait de dépasser son maître. Alors Dédale, envahi d'une soudaine folie, se sentant destitué de sa plus grande force, et voyant sous ses yeux son neveu lui dérober ce talent qu'il chérissait tant, fut pris d'une telle rage qu'il le précipita parmi les flots. Ces flots où l'on verrait plus tard un dénommé Icare répandre lui aussi, parmi les nuages de l'écume, de belles plumes noircies par le soleil.